En direct depuis Ranch Croix-des-Bouquets, on est en train de équipe association sportive Saint-Louis du Nord. On a regardé l'équipe là qui fait, on a regardé Shelly Jeudi qui a entraîné avec l'équipe association sportive AS Saint-Louis du Nord et qui vient pour jouer dans la première journée dans la deuxième division avec l'équipe en FC Limbia. On a regardé Kowski Saint-Louis, on a regardé Kowski Saint-Ville qui c'est l'entraîneur principal de l'équipe AS Saint-Louis du Nord. Qui est pour jouer dans la deuxième division, il a besoin qu'on ait objectif, c'est monter en première division à Nessa. Et nous connaissons que malgré nous tout dit, deuxième division c'est l'enfer. Et mais à Nessa, il est déterminé pour être capable de monter en première division. Ça fait plusieurs temps l'équipe ça en deuxième division. Il n'y a pas jamais qu'à monter. Nous avons équipe entraîneur et Kowski Saint-Ville qui passe de présentation et entraîneur expérimenté. Côté que il était entraîné équipe Américain des Caïs. Il était entraîné U20, sélection féminine U20. On a regardé Shelly Jeudi. Puis, grosse surprise du jour, aujourd'hui, c'est Shelly Jeudi. Nous avons entraîné avec l'équipe à SSL là. Et en deuxième division, est-ce que la fait partie. Non, la fait partie de l'équipe là. On a regardé. Et vraiment, c'était un garçon. On a entraîné normalement. Et on a regardé le 207, Shelly Jeudi, qui a marqué un gros goal face à l'équipe canadienne. Un goal ça qui a mené l'équipe, qui a qualifié l'équipe féminine pour la Coupe du Monde. Et France 2018, après une grosse présentation, l'équipe a été faite. Donc on est, malgré qu'on a perdu 3 matchs, mais on a représenté nous valablement. Et on a regardé l'équipe, on a regardé Shelly Jeudi qui a un ballon. On a regardé le coach. On a regardé Kowski Saint-Ville, on a regardé Shelly Jeudi, et c'était lui-même qui comptait libératrice et que face à l'équipe en Canada. Green goal ça, qui était sous le pays. Et on a regardé vraiment, on a regardé, c'est vraiment les comptes jouer boule. Les comptes jouer boule, normalement, taper ballon, c'est tant qu'on garçon, puis plus des fois, il est plus qu'on joue qu'un garçon. On a regardé. Et entraîneur Kowski Saint-Ville qui débute à l'air, qui tape des consignes avec joueur Lio. Et tactiquement, et qu'on a ce souterrain qu'on a l'appel, on a regardé, et c'est un pire, c'est plusieurs équipes qui ont entraîné. On a regardé l'équipe U14 là, équipe U14 là qui a entraîné l'autre bord, et nous pouvons connaître, nous pouvons nous demander entraîneur, et est-ce qu'il y a une compétition? Et qui vient pour jouer dans ou bien dans moi qui vient ou bien dans l'autre année qui va entrer nous pas connait mais n'a regardé Kowski Saint-Ville qui a dit joueur oui c'est très bien ça n'a bien passé là et Ferry Sport en direct depuis Range Croix des Bouquets n'a regardé et nous n'a regardé Shelly Jeudi Johnson et n'a regardé équipe ça équipe ASSL là qui vient pour jouer dimanche et là en déplacement Kailin BFC pour la pour deuxième série clôture championnat deuxième division surnommé l'enfer dans le pays d'Haïti parce que de pour descendre c'est pour moi même avant monter c'est un casquette chinois n'a regardé et petit monsieur qui a bien entraîné sur terrain dans Range Croix des Bouquets académie quand nous n'a regardé. Nous avons mesdames I15 qui ont entraîné. C'est un véritable, comme si on avait dit, c'est un marathon. On a regardé Shelly Jeudi. On a regardé, comme si c'était un cap sollicité. Et jouer tout parce que Shelly Jeudi là. On a regardé ma soeur, on a regardé l'encadrement technique, équipe, association sportive, Saint-Louis du Nord. On a regardé Kowski, coach. Coach qui pense de présentation, on a rappelé Kowski Saint-Ville, c'était ex-entraîneur équipe Don Bosco de Pétionville, U20, sélection U21, nous connaissons qui s'est passé, il était démissionné, mais ça n'a pas voulu dire que nous étions avec nos équipes en première division, mais ça n'a pas arrivé, nous, cette équipe, association sportive Saint-Louis du Nord, qui l'a pas entraîné. Qui c'est entraîneur principal. On a regardé Shelly Jeudi qui au marquage. On a regardé Kowski qui a passé consigne. On a regardé c'est un pléiade de joueurs joueuses.
qui déjà a entraîné sur terrain ça. Il a regardé Johnson, Charlie Jeudi, qui fait passe là avec le dossard neuf. Il a regardé toujours, il a regardé et c'est il a regardé le dessin du tac là, il a regardé toujours, c'est bel mouvement et c'est un vraiment vraiment son bel entraînement. Il a regardé équipe, il a regardé entraîneur équipe là qui c'est Kopski Saint-Ville et Cap Solité, il a regardé Charlie Jeudi qui a ballon là, il a regardé Charlie Jeudi oui, qui fait fête là. On a regardé, c'est une belle joueuse. On a rappelé nous encore une bonne prestation. Équipe U20 féminine dans le mondial France 2018. Là. A rappelé que nous avons perdu tous les trois matchs, mais nous avons avec courage, avec un pile de détermination. Mais malheureusement, il a continué le travail. Il a continué le travail. Il a continué le travail. Très dur. Non, et tout à l'heure, nous avons Conventina et qui était impliqué sur tous trois goals équipes. Haïti a été fait. Hein? Il a regardé Charlie Jeudi qui a un ballon. Hein? Qui ça le fait? Il a remettre avec un partenaire avec le 216. Hein? Et il a regardé. Il a marché. 207 là, c'est Charlie Jeudi. Qui a marqué un gros goal face à l'équipe canadienne. Hein? Goal ça qui a qui délibéré Haïti pour être capable de jouer un qualifié unique billet pour qualification. Coupe du monde France en 2018. Hein? Il a regardé. Un joueur qui est vraiment déterminé. Donc on a eu un gros match captain dans le week-end. Dans le week-end, face à Alain B en déplacement. Est-ce que nous connaissons qu'il va faire un mauvais tour dans la série de clôture dans la série de clôture. On a regardé. C'est un peu engouement. Et c'est là bien on a regardé l'autre bord à côté de Timedam. Ah, c'est Tigresio qui a venu entraîner. Et on a regardé. On a regardé comme ce qui a fait colère. Il a dit non, c'est pas dans la place où tu es supposé y aller. On a regardé. C'est avec un pile de détermination que vous voulez représenter. On a regardé Jésus qui a pris un jebal. Et Ferry Sport en direct hein, depuis quoi de bouquet dans Rancha. C'est là toute sélection nationale. Et même club entraîné. C'est un pile engouement, c'est un pléiade de joueurs, joueuses qui fait le déplacement pour venir entraîner avec plusieurs coachs. On a regardé Kopski Saint-Ville, on a regardé. On a regardé. Équipe AS Saint-Louis du Nord. On a regardé Charlie Jeudi qui a un ballon.